tout blanc dehors. Ça serait bien que j'aille faire des images dehors pour montrer dans la vidéo comme c'est joli le givre. Mais j'ai froid moi. J'ai la flemme. Désolée les amis, un autre jour. Elles sont pas trop jolies ces feuilles. Donc hier je suis allée, c'était soirée pizza, et je suis allée chercher des feuilles. Et je vais les mettre à sécher parce que j'adore ces arbres. Alors, est-ce que ce sont des érables? Je ne sais pas. Je pense. Alors, je vous présente la seule bouture de crassula qui a survécu. Et je vais la mettre dans un pot un tout petit peu plus petit. Alors, est-ce que c'est vraiment judicieux? Parce que là, au moins, elle a moins de chances de sécher. Mais en fait, j'en peux plus d'avoir ce truc dans ma cuisine. C'est moche. Et mon homme, pareil. Il faut que je prenne la place. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Donc, je vais faire un truc hyper orthodoxe. Voilà. À la fourchette, bien sûr. Outil de jardinage adoré. Alors, si vous voyez d'autres racines, c'est parce qu'à la base... Bah alors, j'ai un truc dans la fourchette. C'est parce qu'à la base, il y en avait d'autres. Avec elle, mais ils ont périclité. Là, il y a de la racine. Hop, hop, hop. Bon, parce qu'en théorie, ça n'a pas non plus besoin d'énormément de terre. Voilà. On va voir ce que ça donne. Si j'ai l'impression qu'elle souffre. Alors, c'est un peu tôt hein, pour faire des rempotages. J'essaye de faire ça le plus doucement possible. Je l'aurais mise au milieu, que ça aurait été pas mal non plus. Voilà. Donc, c'est un peu moins moche quand même. C'est là que sont mes petites les boutures qui me restent. Alors celle-là, il faut que je l'arrose, mais c'était ma chaîne de cœur, mon céropégia, qui est restée en fait dans notre autre maison parce que mon beau-père l'aimait bien. Je lui ai laissé. J'espérais que mes boutures fonctionnent mieux. Moi, je pensais que ça marchait mieux. Et franchement, elles ne sont pas en canne. Elles m'ont rien fait de pouce à part celle-ci. Bon, on verra ce que ça donne. Si là, il y en a une petite qui repart. Non, même pas. Bon, elles sont pas super en canne, mais elles sont pas encore mortes et ça fait un petit bout de temps. Alors ça, c'est un avocat qu'il faut que j'envoie et je serai bien inspirée de l'envoyer rapidement. Mais j'ai pas fait le colis. Qu'est-ce que je procrastine? Là, il y a une tige d'avocat. Je suis dégoûtée parce que elle est partie d'un de ceux que j'avais tordu. J'ai commencé à la tordre. J'ai tiré trop fort dessus. Je suis vraiment dégoûtée. Donc, j'ai pas voulu la jeter. Elle s'est cassée, je l'ai mise dans l'eau. Donc, petite crassula. Il faut que je fasse attention à ne pas trop laisser sécher non plus. Et là, mon beau cactus. Et alors, lui, il peine. Il y en a un que j'ai laissé à mon beau-père qui pète le feu là-bas. Mais lui, pouf, non, il ne va pas bien. Donc, je viens de le changer de place. On verra ce que ça donne. Ça, c'est un petit soliflore que j'aime bien. Et là, c'est un peu... c'est un peu pauvré. Ce coin-là, alors là, moi, j'ai mes jolis avocats que je laisse en eau, ceux-là. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Je verrai au printemps ce que j'en fais. J'ai mis des cactus et le raindrop là-haut. Et alors, lui, il fait la tête. J'en ai marre, en fait, lui. J'avais envie de le virer. Là, je réfléchis. Bon, là, il est prise. On est content. Bref, oui, toute ressemblance avec, avec quelque chose... qu'est-ce que vous voulez? C'est la nature, hein? Si vous ne la connaissez pas, je vous la présente. J'aime bien la voir, elle me fait sourire. Bref, tout ça pour dire que ce petit coin est sympathique et que vous voyez, là, j'ai laissé traîner mes petits achats de Noël. Je vais vous montrer ça. Ma tête, hein, pour une fois que j'ai fait un petit effort. Il fallait choisir entre la prise et le micro-ondes. Vous avez les deux. Un petit peu des deux. Donc, je vous montre parce que c'est tout mignon. Des décos de Noël, en fait, nous, on n'en a jamais acheté pour nous. L'année dernière, j'ai fait un sapin en bois que je vais ressortir, que je vous montrerai. Et j'espère caser quelque part cette année aussi. Mais j'avais pas acheté de boules ou des trucs comme ça. J'aime pas trop les boules de Noël. On verra. En tout cas, là, je suis partie sur des trucs qui se cassent pas. J'ai réussi à l'acheter cassé, déjà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de frustration à avoir. Donc ça, c'est une petite maison avec un... Je vais pas réussir à faire la mise au point, mais vous voyez, il y a des petites paillettes sur le sapin et le renne. C'était à Centre Accord, c'est là où j'ai acheté notre sapin. C'est un genre de Jiffy. Je sais pas si tout le monde connaît Centre Accord, mais c'est dans le village juste à côté, là où je fais mes courses, et c'est bien pratique.
Ça, c'est Alma qui l'a choisi. Parce que j'y suis allée avec elle. C'est tout doux. C'est un pompon tout doux avec un petit lutin. Mais alors, c'est fait à l'arrache. Les cornes sont collées de traviole. Bon, ça fera son petit effet avec des petits grelots. C'est quand même mignon. Dans le même genre, moi, j'ai trouvé très mignon celui-là. Donc, j'ai trouvé qu'il serait bien. Qu'il ferait copain. Ah, il y a des paillettes aussi sur, la tranche. Là. Et une petite patate. Mignon. Dans le même style, un sapin de Noël avec de la moumoute. Des petits flocons de neige dorés et un petit élan, voilà. Et je vais vous chercher, je vais vous montrer aussi les guirlandes. Bon alors les guirlandes, je les trouvais pas folles. Alors j'ai opté pour des plumes, mais des fois je me demande ce qui me passe par l'esprit. Mais en fait ça a plu à Alma parce que c'est tout doux. On est encore dans mon délire de tout doux. Et alors depuis, j'ai des plumes partout parce que les chats les ont trouvées. Surtout celle-là, là. La grosse. Alors j'en ai pris deux de chaque. Ça c'est des petites plumes, j'aime bien ça, c'est mignon. C'est juste un boudin comme ça, vous voyez. Bon, c'est mignon. Je me suis dit, blanc, ça va. J'ai pris des trucs blancs. Donc, j'ai essayé de faire un truc blanc et bois, avec peut-être un peu de rouge. Vachement original. Hein. Et donc, de la grosse plume en mode bois. Est-ce que je suis bien en sapin de Noël? Voilà. Donc, ça, c'est les petits. Ah, j'ai acheté des pommes de pin aussi. Hein, pas mal. Je ferai un joli sapin de Noël, je suis sûre. Attends, je vais mettre les grelots, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Profitons-en. C'est pas souvent. Je rigole. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais pas aller chercher plus loin. Bref, bon. Tout ça pour dire que après j'ai des pommes de pin et je vais peut-être me trouver une petite bombe pour les... L'année dernière, j'avais mis de la peinture blanche. Je vais me trouver une petite bombe pour les décorer et je vais voir si je fais des couronnes, des trucs comme ça. Et j'ai des décos de l'année dernière qu'il faut que j'aille chercher. Je sais pas où ça, mais je vais les retrouver. Oh, un livre. Non, c'est pas un livre, c'est une boîte. Tu l'ouvres? Allez. Qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine? Ce mois-ci, cette semaine. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu. T'as jamais vu? Citron jaune Hydrola. Super. Ça, ça a l'air d'être du maquillage, du fard à paupières. Est-ce que c'est du fard à paupières ou c'est du blush? Parce qu'alors, le blush, moi, je ne sais pas faire. Palette paupières, parfait. Ça, je... Pourquoi elle veut pas pchit-pchit? Ça veut pas pchit-pchit. Ouais, elle aime ça, les pchit-pchit. Alors, brume parfumée de Noël. Alors, ça me fait rire parce que... Ah, Alma, ce qu'elle aime, c'est les petits bouts de papier. Les jaunes et les noirs, ils ont dû partir loin, ma chérie. Crème riche, thé blanc, soin éclatant, hydratant, antioxydant. Ça, c'est bien. Et alors, illuminateur. Alors, ça, c'est le genre de truc que typiquement, je n'achèterai jamais. Mais les trucs dorés, comme ça me plaît bien. Et concentré en acre naturel. Et alors, apparemment, il y a un sac, là. Ah ouais, c'est mignon. Ah, c'est tout le box. Après, là, il y a toutes les explications, des conseils, de la pub aussi, et des conseils après d'utilisation, des réductions et compagnie. Voilà, c'est la journée Beautiful Box. Et on se retrouve pour ouvrir mon petit cadeau, du coup, mon jour 3. Encore un bel emballage. Je les garde tous. J'enlève l'étiquette. Je les garde. C'est du thé. Oula, ça sent. Oula, c'est plein d'épices. Mélange chai à infuser 15 minutes. Ça fait sacher grand, non? Alors, j'ai mon petit mot. Hein. Attendez, je regarde mon petit mot. Ah, là, c'est une petite rose à paillettes aujourd'hui. De quoi se réchauffer le corps et le cœur avec du lait ou de l'eau. Tu pourrais rajouter des épices de Noël, du sucre. Ou bien juste comme ça. Et oui, je fais juste comme ça. Je l'adore avec du lait. Donc, voilà. J'aurais très envie de me le faire, mais là, je vais boire mon petit café et aller chercher un colis parce que j'ai pas coché la bonne case. Et donc, je suis bonne pour aller le chercher. Bref, de toute façon, il fallait que j'aille chercher mon stock de bonnets à la boutique où il y a un dépôt pour le marché
que j'installe demain. Merci pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode. Je vais toujours avoir 2 jours de retard du coup, mais bon, bref. Du coup, je vais répondre juste à une petite question aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait... Je résume. Hein. Qu'est-ce qui te fait peur dans la création ? Peut-être qu'il n'y a rien qui te fait peur dans ton processus de création. Et en effet, j'ai peur de plein de trucs, mais pas à ce niveau-là. Je suis frustrée, je suis anxieuse, mais la peur, c'est pas tellement le mot qui va bien. J'ai surtout peur que ça s'arrête et que je puisse plus faire ça. Ça, oui, d'accord. Mais sinon, après, dans le processus créatif, ça va bien. Parce que je fais. Et que quand je fais, je n'ai pas peur. Je peux être agacée quand ça marche pas, je peux être frustrée. Je pense à un truc en particulier, un modèle de chapeau que je voudrais faire. Et j'ai fait 8 essais. Et donc bon, par exemple, je m'acharne trop et il faudrait que je m'arrête plus tôt et que j'y revienne ensuite. Parce qu'en plus, je sais que ça infuse et que ça marche mieux quand on revient calmement. Mais c'est pas de la peur. C'est juste un fonctionnement. Donc pas vraiment de peur, j'ai des craintes tout plein par milieu de pas savoir gérer parce que comme je dois faire la compta, l'image, les réseaux, tout ce qui est communication et puis après la création, finalement c'est l'espace le plus libre que j'ai. Et il y a deux pendant, il y a quand je crée pour la boutique. Et donc c'est moi qui choisis tout ça, chaque chose. Et pour ça je suis toute seule. Et quelque part c'est une grande liberté, ça, c'est plus un plaisir. Même s'il y a des doutes, absolument tout le temps. Et puis il y a les commandes. Et les commandes c'est à la fois génial et inquiétant pour moi parce que vous avez des attentes. Voilà. Alors que quand je livre quelque chose sur la boutique... Vous n'avez pas particulièrement d'attente, quoi. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Mais voilà, voilà les deux différences. Je vous montre mon petit bonnet qui est terminé. Et il me reste ça et j'hésiterai presque à faire le modèle petit parce que là, ça c'est le grand modèle. Et c'est vrai, je suis contente de la taille. Il va être assez grand quand même parce que bon, le corps ça va faire ça. Je suis contente. Et je me dis, si ça se trouve, j'en ai assez pour faire le petit modèle. Il m'en reste pas mal quand même. Donc j'hésite, peut-être ce soir, je verrai. Mais je vais quand même finir le chapeau de la poupée. Et donc en fait, elle a dit que ça, c'était le bébé chapeau. Et que le chapeau noir, c'était la maman chapeau. Elle me fait ça avec absolument tout dans la maison. Il faut trouver. D'ailleurs, la poupée, elle est tout de suite allée lui chercher. La maman poupée que je lui avais déjà fait. Le modèle de crochet confetti que je vous avais déjà montré. Et une autre poupée qu'on lui avait offerte qui s'est retrouvée être son papa. Voilà, bon, c'est comme ça. Ça passera comme tout. Du coup, là, j'ai eu bien envie. Je pense que je vais me lâcher. Parce que Marion m'a bien confirmé que j'aurai ce qu'il faut pour faire mon gnome au fur et à mesure de mon calendrier. Donc, je patiente. Voilà, avec mon petit thé. Tranquille. Je vous emmène à la librairie à côté de chez moi. J'ai vu que le deuxième tome d'Alma était sorti. J'ai pas encore lu ce livre. J'ai vu cet album là qu'il recommande chaudement et qui en effet est magnifique. Je verrai si je craque plus tard. Et j'adore le rayon jeunesse, donc j'y passe toujours un temps fou, beaucoup plus qu'ailleurs dans les autres rayons. Et là je cherche un livre pour Alma. Je vous en montre deux que je n'ai pas pris. Celui-ci avec les contes classiques que j'ai vraiment trouvé magnifique. Je suis vraiment fan d'illustration. Et là c'est particulièrement joli, des pop-up finalement assez simples et très 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 réussi. Effectivement ça fait petit théâtre, moi je me suis régalée, donc voilà j'ai feuilleté ça et puis celui-ci m'a plu aussi, j'ai hésité, donc un pop-up assez simple avec voyez un graphisme très coloré, assez fun, je suis sûre que ça lui plairait. Et puis je vous laisse la surprise pour demain de ce que je lui ai pris parce que je ne l'ai pas filmé là et je vous le filmerai 2 jours. Qu'est-ce que c'est ? Attends. Ouais. Attends. Il y en a encore ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, attends. Oui. Il y en a un autre, sors-le. Qu'est-ce que c'est ?
T'as mis le chat dans la robe? Des bisous. Ouais. Montre-moi, petit chat, il est où? Ah oui. Ah, il est dans la robe, d'accord. Dans la robe, dans la robe. D'accord. C'est toi qui l'as mise toute seule, la robe. Oui, le chapeau, on le met? Oui. Allez, vas-y.